Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikoolo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de visiter plusieurs avant-postes des 7 en une seule partie. Donc vous allez devoir visiter deux avant-postes des 7 en une seule partie, donc pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des coffres, parce qu'en fait c'est des coffres des 7 que vous allez pouvoir découvrir. Alors il y a 7 emplacements. Donc il y en a un juste ici, donc moi je vous conseille d'aller directement ici parce qu'en fait il y a des failles juste ici et en fait l'emplacement du coffre il se trouve ici. Et je pense qu'il faut vraiment aller jusqu'à... Ah non, en fait c'est juste aller dans l'avant-poste, donc il n'y a même pas besoin d'aller au coffre en fait parce qu'il faut juste visiter l'avant-poste. Et regardez, ça c'est le coffre, bon en labo de combat il n'y a pas la porte, il n'y a pas le gros coffre. Mais voilà, ça c'est l'emplacement du coffre et en fait ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement... vous rentre à l'emplacement de ce coffre, donc vraiment dans le petit village que vous voyez ici, pour terminer le défi, et pour valider le premier emplacement du défi. Donc bien entendu, je vais vous montrer comment faire pour aller visiter le deuxième. Donc moi, le deuxième, ce que je vous conseille, c'est d'aller prendre la faille qui est juste là, hop, prenez la faille, et ensuite vous vous dirigez vers le deuxième qui se trouve en face de moi, donc juste ici, regardez. Donc là, j'aurais visité celui-là. Et je vais directement visiter celui-ci grâce à la faille. Donc bien entendu, la faille ne va peut-être pas me faire parcourir toute la distance. Mais ça va vite me rapprocher que dans les autres bunkers, enfin dans les autres... comment ça s'appelle encore? Avant-postes, voilà, dans les autres avant-postes des 7, il n'y a pas forcément dans tous les avant-postes des failles. Donc moi, j'étais dans l'avant-poste près du canyon Kondo. Et je me dirige vers l'avant-poste qui est à côté du sanctuaire. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre les toiles d'araignée de Spider-Man, donc les gants de Spider-Man. Il y en a un peu partout dans la map. J'ai même fait une vidéo dédiée à ça pour vous montrer tous les emplacements. Donc, n'hésitez pas à aller voir si jamais vous ne connaissez pas les emplacements. Mais ouais, vous prenez les gants de Spider-Man et vous allez directement voyager grâce à ces gants plus vite. Et comme ça, vous pourrez visiter les deux avant-postes, voilà, les deux avant-postes des 7. Donc il y en a 7 au total, hein. C'est un jeu de mots, mais c'est vrai, il y a vraiment 7 avant-postes des 7. Donc là, hop, vous venez ici, le coffre, normalement il est juste ici, regardez, le coffre il est là. Bon, bien entendu, en labo de combat il n'y est pas, mais il serait là normalement. Et donc vous venez juste ici, dans cette maison, et logiquement vous aurez visité le deuxième avant-poste. Des 7, donc vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Soikoolo Mike et ciao. Peace. Dumb, 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 dumb